J'espère que vous allez bien en ce dimanche, joyeux dimanche. Bon, hein, ça se voit que je vais mieux. Sinon, j'aurais pas cette tête-là. Donc voilà. Hier soir, je me suis fait 10 doigts, voilà, comme ceci. Ah bon, ceux-là, ils n'ont pas voulu s'enlever. Hein, bah oui, bah, quand ça tient, ça tient. Donc, 10 doigts à blanchir, faire les nuances de couleur. Et après les matifier, eh ben c'est du boulot. J'ai fini tard, à pratiquement minuit. Et puis je suis debout depuis 5 h 15 à peu près. Donc vous voyez que je. Bon, pas beaucoup de sommeil. Pardon. Pas beaucoup de sommeil, mais. Bon, je dors toutes les nuits. C'est déjà pas mal. Alors voilà. Demain, c'est la brocante. Donc, je vous ferai peut-être un petit coucou de la brocante. Si mes parents ne disent rien. Ah oui, non, mais c'est spécial. Donc l'année dernière, je vous avais fait un petit coucou de la brocante. Là, je ne sais pas si je vais pouvoir le faire. Ah oui, non, mais c'est. Oui. Et puis, j'y arrive pas. Alors, à savoir s'il faut catalyser tout de suite pour que ça prenne. Ça se pourrait bien. Parce que sinon, ça vous fait un pâté. Ouais. Ah bah, j'ai essayé, j'ai remis dans le pot, hein. J'ai dit, ça donne rien. Mais je crois que je vais catalyser à chaque étape, c'est-à-dire à chaque pétale. Ouais. Donc, je vais essayer ça aujourd'hui, hein, cette méthode-là. Parce que j'aimerais bien mettre là sur ces petits didis là, 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 voilà. Hein, j'aimerais bien y mettre quelque chose, une petite rose. Donc, on va voir. On va voir, on va voir. Si. Alors. Pilou, pilou, je te remercie. C'est. Oui, je sais que j'ai du talent. Bon, bah. Et puis, c'est difficile de trouver quelqu'un à sa hauteur. Ouais. Quand on a du talent et que qu'on cherche quelqu'un qui puisse nous correspondre, eh ben, c'est difficile. Oui, très difficile. Il y en a bien un. Les mouches. Je sais pas, mais le chat, il n'est pas embêté. Et puis moi, je suis embêtée avec les mouches. Mais bon, bah, apparemment, il n'y en a rien à. Hein? Et tout ce qu'il pense, c'est rassembler des sous pour partir. Bah tant pis, hein. Il sait pas ce qu'il perd. Donc voilà.
Oui, et en plus, c'est difficile en étant handicapé, comme je le suis, puis dépendante des médicaments. C'est pas gai. Mais je me dis que même si je suis toute seule, eh ben au moins, je suis pas embêtée par les autres. Ou alors qu'on me dise fais ci, fais ça, alors que je peux pas. Oui, aussi. Je vous filmerai peut-être les étapes du gel 4D. Je vais essayer, hein, qui ne tente rien à rien. Ah, j'ai toujours les doigts qui pèlent. Ça, c'est pénible. Hein. C'est pénible et puis gênant. J'ai beau mettre de la crème et le meilleur du beurre de karité. Voilà. Ah oui, le meilleur du meilleur, c'est le beurre de karité. Hein. Je sais pas où je l'ai mis d'ailleurs l'autre. Je l'ai mis où? Je sais plus. Je sais même plus ce que je fais de mes affaires. Je m'étais dit super, j'ai un bon pot de beurre de karité. Et puis bon, je sais plus où j'ai mis, si j'ai mis là, si j'ai mis de l'autre côté, si. Mystère. Alors oui, je les ai fait mat exprès, parce que regardez la beauté de la chose, c'est que. Ça donne un fondu tout doux et c'est tout doux en plus. C'est vraiment tout doux. Bon, c'est catalysé, hein. Donc voilà. C'est vraiment. Bon, celui-là, j'aimerais bien qu'il saute, mais il veut pas. Mais les pouces non plus. Hein. Cela, ça me dérange pas parce que ça va bien avec. Mais ceux-là, j'aimerais bien. Mais non, ils sont durs comme ils veulent pas. J'ai beau tirer sur le doigt, ça ne veut pas partir. Non, mais je sais pas où j'ai mis mon pot de beurre de karité. Ah, j'en ai mis hier. Et boule de gomme. Donc voilà. Donc je vais rassembler les deux trois petits trucs que j'ai à vendre à la brocante. Ma mère me demande combien de mètres tu veux. Oh, je lui dis deux au départ et puis après je lui dis oh, un seul ça suffira. Un seul mètre. Je rassemblerai, ça fera un petit capharnaüm, mais voilà quoi. Et puis ça va m'aérer. C'est ce qu'il faut se dire. Voilà pour le bonjour. J'ai comme l'impression, attendez, excusez-moi. Ouais, il était sale. Enfin, je ferais bien de le
Attendez, je vais m'y prendre autrement, je le nettoie comme il faut. Ah, voilà. Ça faisait flou. C'était ça. Oui, ben. Peut-être le faire maintenant. Oh là là, là, on la voit. Attendez, je vais mettre mes écouteurs parce que. Voilà, vous m'entendrez mieux et puis. Je vais peut-être faire maintenant l'essai de la rose. Donc pour ceci, pour cela, déjà je vais hop, fixer le trépied comme il faut. Changer de trépied. Voilà. Trépied, m'arranger avec le fil. C'est rien, c'est le téléphone. On change de trépied. On se prépare. On dégage. Je vais le faire sur le pouce. Tiens. Attendez, hein, je pousse tout. Je pousse tout, je pousse tout. Je prépare ma lampe UV. La moustue reste là. Hop là. Alors, mes gels UV, c'est gel polish. C'est vieux comme. Comme Irode, mais ça existe toujours. C'est des très bons vernis UV. Sinon, ça n'existerait plus. Donc, je vais prendre un pouce. Attends, je lis. Hein. Oh, j'aime bien. J'ai bien travaillé. Donc, je vais prendre un pouce. Je me le pose là. Je vais vous baisser sur mes mains. Et puis on va essayer ça de la manière dont je pense que ce serait plus possible et logique à mon avis. Le rose, j'ai vu que c'était du rose fluo. Ah oui, c'est un rose fluo. Regardez. Enfin, vous ne le voyez pas, mais c'est du rose fluo, hein. Donc, je vais voir le violet. Alors, vert aussi pour les feuilles. Je vais voir le violet. Bah, si ça veut bien sortir. Ils sont vendus sans être. Il est bizarre le violet. Sans être. Sans avoir d'opercule. Ah, les mouches. Ah, mais c'est. C'est pénible. Bon, je vais essayer avec le violet. Je laisse sortir le rose. Pourquoi? Parce que j'y ferai bien des deux couleurs, moi. Alors, celui-là, il est foncé. Peut-être que l'autre, il est moins foncé.
Et vient la pépère. C'est embêtant ce. Cet emballage, je crois que je vais les mettre dans autre chose parce que. Ah voilà, j'y ai laissé un ongle. C'est pas grave, ça se recolle. Allez. Ah oui, je vais les mettre dans autre chose parce que là. C'est pas possible. J'arrive même pas à le sortir. Qu'est-ce qu'il dit celui-là? Bah, pour moi, c'est quasi les mêmes. Celui-là est plus clair normalement. Donc, j'y perdrai rien si je les mets avec les aimants dans la boîte. Oh bah les aimants sont dérangés. Donc j'ai les deux violets. Oui, oh là j'en ai marre de ce sachet. C'est bon pour mettre autre chose. Bon, ça, normalement, c'est du blanc. Alors, faut dire que j'aime pas le fluo. Ah oui. Moi, le fluo, ça fait deux. Marron. Du gris. Et celui-là, comme rose, il dit quoi? Oula, encore plus fluo. Alors, si je referme mal, ça va pas le faire. Alors, j'avais vu qu'il s'était servi du bleu. C'est le seul bleu que j'ai. J'avais vu que ça avait marché avec leur bleu. Sauf que c'était pas ce bleu là. Bon, je vais m'en sortir avec tout ça. Bon, le bleu, je le laisse là. Le rose fluo, je le mets au placard parce que. Et le vert, qu'est-ce qu'il donne? Ah, la mouche! Ouh là 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 là! Ouh là là, c'est du fluo, du fluo, du fluo! Et tout à l'heure, ils vont pas être fluorescents par hasard? Bon, on va voir ce que donne. Ah ouais, non mais... Et le blanc... Il est blanc au moins. Oui. On va peut-être faire blanc et violet, mais il faut que je voie ce que ça donne le violet. Et là, il y a plein de sable que j'avais renversé. Oups, on reste là. Je vais le garder quand même pour autre chose. Donc, nous sommes munis d'un pinceau.
Alors, à savoir s'il faut utiliser quelque chose ou pas, je ne sais pas. Je ne sais pas. Et il n'y a pas d'explication. Donc, on est dans l'inconnu. Oh, la mouche, elle m'embête, hein, la mouche. Du coup, ça me gratte de partout. Allez, va-t'en. Pas dehors. Donc, lequel est plus foncé? Celui-là. Donc, je vais voir ce que donne celui-là. J'utilise mon pouce cuticule. Voir ce que ça donne. Alors oui, ça se fait sur les sur la main. Donc, oui. Que voici que voilà. Alors, je me dépêche de le catalyser. Je suis en train d'utiliser les deux en même temps, vous avez vu? Le pinceau et le truc, allez hop, on catalyse avant que ça change de forme. Oui, c'est encore tout mou. Maf, par terre. Bon, je recommence. Il y a un problème. Donc, si je prends mon pouce cuticule à l'envers. Ça va pas le faire. Donc on recommence. Je viens le poser là. Hop, je lâche mon pouce. Je viens l'aplatir à la base. C'est ce qui me gênait tout à l'heure. C'est que je n'avais pas aplati à la base. Donc là, c'est joli. Jusqu'à maintenant. Donc, je vais catalyser pas mal de temps. Mais je vais faire pétale par pétale parce que sinon, ça nous fait un pâté. Je vous dis pas le truc que j'ai sorti hier. Le rose, franchement, il était pas génial, génial. Là, le violet, il se tient bien.
toujours peur que ça catalyse le reste. En tant que c'est dans les boîtes, ça va. Ah non, mais en fait, il y a une troisième fois. Pour l'instant, ça se tient bien par rapport aux roses d'hier. Mais je crois qu'il faut catalyser à chaque étape. Hein. Et le violet, il est presque noir. Il y a encore celle claire que j'ai pris. Peut-être que je me mettrai au fluo, mais pas maintenant. Donc, ça me donne ceci. Un tout petit bouton. Que je vous l'approche. Un tout petit bouton, comment je pourrais vous montrer? Bon, on voit pas. Voilà, je vais faire un pétale. Oui, on dit un pétale et non pas une pétale. Peut-être un peu trop là. On va essayer de faire quelque chose de fin. Oui, il y a la moitié qui reste sur le repousse cuticule. Oups, ne bougeons plus. Donc ça, j'en étais sûre, ça collait à ma peau. Okay. Je vais prendre un autre bout parce que bon, quoique, allez. Voilà. Hop là. Donc on vient le coller là. Voilà. Alors pour l'instant, c'est joli. Par contre, il faut que je trouve une solution pour le repousse cuticule et ma main. Donc, cleaner. Bah ouais. Se sont nettoyés parce que c'est pas nettoyé et séché. Je vais en mettre un coup. Pour l'instant, ça forme le début d'une rose. Je vais me mettre où là?
Donc, je me sèche bien la main. J'ai catalysé trois fois. Pour l'instant, ça fait pas le pâté que ça a donné hier. Encore une fois. Parce qu'hier, je vous dis pas, le pâté, ça donnait rien du tout. Je ne sais pas si vous voyez la quantité qu'on utilise pour un pétale. Ouais. Donc, je vais commencer à former l'autre. Ça forme une rose pour l'instant. Bah, dis donc, hein, on n'est pas sorti de l'auberge. Mais bon, s'il faut ça pour avoir un beau résultat, pour l'instant, c'est un beau résultat. Allez, encore une fois. Quand il faut que je me sèche la main à chaque fois, ça adhère pas. Je devrais mettre de la poudre sur la main. Mais de la poudre acrylique. Et j'en ai pas pour l'instant. Encore une fois, je vais former le pétale. Mince. Reste là, pépère.
Là, je suis en train de former une orchidée. C'est pas le but. Voilà. Et deux violets se valent. Hein. Je pense que je rajoute un pétale et puis ça sera bon. Donc la quantité. Rajouter un peu. Ouais, c'est long, hein. Ah, le tout, c'est de catalyser entre chaque étape. Et après, je catalyserai plusieurs fois le tout. Et le bouton, il est dur. Je sais pas si vous voyez comment j'appuie. Bon, je vais former mon pétale. Allez, hop là. Donc là, voilà. On se le colle là. Je vais arrêter là parce que ça fait énorme. Et je voulais faire une feuille en vert, mais c'est du vert fluo. J'aime pas.
pardon, c'est le café. Désolé. Donc je m'arrêterai là. N'oubliez pas de nettoyer son matériel, sinon après c'est cracra. Et je me suis pas nettoyé la main. Faut savoir que le cleaner n'est pas nocif, hein. Non, non, non. Enfin, 10 euros pour avoir presque 11 pour avoir des couleurs fluo et pas les bonnes couleurs parce que là c'est pratiquement noir. C'est un peu décevant. Bon, je vous montre. Ah bon, faut que je trouve le bon éclairage. Comment vous le montrer? Ah bon, ça forme bien une rose. Je vais catalyser plusieurs fois encore. La mouche, tu m'énerves. Je crois que je vais utiliser la lampe. Parce que ça catalysera beaucoup plus longtemps. J'attends que ce soit fini. Puis comme ça, je pourrais m'occuper de remettre cet ongle. Je vais... Oh, la mouche, elle m'énerve, hein. Elle est têtue, hein. Oh, voilà. Hop. Je vais la rapprocher. Voilà. Enfin, pour moi, j'adore avoir le matériel qu'il faut. Non, je dis là. Oh.
c'est pas évident. J'ai deux mouches là. Donc c'est ça, il faut bien catalyser à chaque étape. Donc c'est ultra long. C'est pas moi qui pète, c'est mon tabouret. Donc je vais vous laisser là parce que le temps que ça catalyse, 47 minutes. C'est de la folie. Alors autant le dégradé est très long, mais alors ça. Bon, je ferais bien des décos après en blanc. Mais alors, là, c'est de la folie. Alors, je sais que les Japonais et les Chinois ont de la patience, mais alors là, je vous laisse là, je vous dis à plus et